Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du nouveau jeu de Medium Live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! All work and no play. Un vrai petit Jack Torrance, hein? All right. Voyons ce que tu nous Let's caches. see what makes you tick. No way across. À moi être passé, je vais en créer un. Fuck. Chier. Pas seul. Et voilà, pour moi, la partie de toi que je cherche. Vous savez pourquoi vous êtes là? Je ne vais pas jouer à ton petit jeu, Henry. Ne m'appelez pas comme ça. L'agence a lieu de croire que vous avez volé de la viande au peuple travailleur.
Je me demande bien où ils vont chercher ça. Vous avez été très méchant. Finissons-en. Vu votre profession, vous avez eu l'argent, l'occasion de commettre votre crime. Largement l'occasion. C'est un crime contre le peuple. Passible de mort. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pardon, Henry. Quel rationnement émis par le gouvernement de la République populaire de Pologne? Allez, cours, mon ami. Don't you hide. Ne te cache pas. Thank you.
Viens là. Donne une main ferme sans à coup, dans le sens contraire des fibres. Où es-tu, petit?
Voilà, c'est bien. That's good. See how easy. Tu vois comment c'est facile quand tu obéis. As you're told. Dante Henrik. Le patriotisme avant la famille. Il est rare de voir le patriotisme plus louable que celui dont fait preuve ces dernières semaines l'agent de chef Henry Wilk, simple officier de la police civique. Celui-ci a prouvé sa volonté de contribuer à l'avenir radieux de la République populaire de la France en s'affranchissant de sa famille criminelle. Son enquête audacieuse sur le désormais célèbre scandale de la viande de conduite. Diverses arrestations, dont celle d'un certain Jacob Wilk, son propre père, citant parmi les fraudes découvertes par l'agent Wilk des faits de corruption ainsi qu'un vol de viande noble remplacé par des pièces bas de gamme. Hormis Jacob Wilk, de nombreux autres coupables ont été appréhendés, dont quatre directeurs du marché de viande d'État et de plusieurs gérants de magasins. Les accusés sont reconnus coupables du terme de ce procès. Il s'ouvre ce jeudi et sera sans doute condamné à mort par pendaison. Pour tout commentaire, l'agent Henry Quall a eu cette réponse simple. Je n'ai fait que ce qui me paraissait juste. Voilà qui est parlé en patriote. Tu veux que je me papitoie sur ton sort, Henry? Voyons ce que ça donne. Wilk, is it? Wilk, Henry, c'est ça, Henry Wilk. Wilk. What's this about? De quoi s'agit-il? Straight to the point. No fear, no hesitation. Ni peur, ni hésitation. If you wanted me dead, I'd be si dead. Si ma mort, je serais déjà mort. So, what do you want? I want to. Que voulez-vous? Je propose du travail. I'm listening. Je vous écoute. I've been doing this a long time. Ça fait longtemps que je fais ça. I've come to know people. Je finis par connaître les gens. See what makes them comprendre leur motivation. See their répéter leur potentiel. Agreed. Ça, c'est bien une condition. Huh? Ah oui? The work I do for on travaille pour vous, pas un mot à ma it famille. That's the way we like it. Ça nous convient très bien. It has to. No. If it doesn't, I'm holding you accountable. Je vous tiens responsable. Welcome to the family. Bienvenue dans la famille.
Niva, vous connaissez? Affection spéciale pour le commandant Henry Witt, une personne stratégique a été retrouvée à la station Villégiature ouvrière. Niva, près de la Cracovie, les enquêteurs locaux avaient signalé une étrange affaire impliquant la peine censurée. Cette personne avait été retrouvée en vie, mais dans un état végétatif. Il avait été matière à soupçonner un crime, mais les examens n'ont pas décelé de traumatisme crânien. Il est possible avec l'affaire Gemini. Consultez le dossier. Pas de bavure, pas de vague. Montrez que votre entraînement apporte ses fruits. Je vous conseille fortement de vous familiariser avec les notes scientifiques soviétiques que nous avons acquis pendant censurer en 1950. L'accès à l'entrée en 1138 des archives vous a été accordé en contenu et confidentiel. Walt Creusa, présentez-vous à votre officier traitant pour une compétence de briefing. Le sujet persiste à manifester la puissance pouvoir surnaturel. Il prétend qu'un autre censuré qui lui parle et lui transmet des visions théoriques pratiques, lien possible avec censuré. Peut-être à la suite d'une expérience de la mort imminente, d'autres tests devront confirmer ou infirmer la théorie dissociative. La séance du jour a été interrompue avant terme pour cause d'un incident dans la salle de test. Lors de l'administration des substances prescrites, le docteur scientifique en chef a été contacté. Contact cutané direct avec le sujet a aussitôt été hospitalisé. Malgré l'absence de traumatisme physique, il est entré dans un état végétatif dont il n'est pas encore ressorti. Les sessions ont été suspendues indéfiniment. Séance reprogrammée du jour, malgré une augmentation de la prosologie, le sujet demeure extrêmement dangereux et doit être maîtrisé. Physiquement comme mentalement, pendant toute la durée du test, des mesures de sécurité renforcées s'appliquent. Il est partout ce fumier, il faut que je fasse attention. Good. Not good.
Oh, je l'ai pas eu. Voilà, c'est pas passé loin. Où es-tu, saloperie? À quatre pas. Tu ne peux pas m'avoir là-haut, hein? Là, tu as tombé dans mon piège. Time to put you out of your misery. And stay the fuck down. Et ne te le relève pas. Bomb daddy and me. Y'en chose volant. I'm going away tonight. Je pars ce soir. Ah oui? Business trip. Un voyage d'affaires urgent, je n'ai pas pu échapper. Tu ne vas pas lui dire au revoir? C'est pas si une bonne idée. Pense au travail. Work on my mind. I see. Then again, maybe I should. En même temps, si peut-être, tu penses quoi? Simon, where are you, boy? Non, où es-tu? Où es-tu, petit? Dad? Papa? Hey there, champ. Salut, champion. Tu dois encore partir? Papa doit partir aller travailler. Quand je rentre, on ira pêcher, ça te dit?
Je n'aime pas quand tu pars. Je sais, mais parfois papa doit travailler, c'est pour notre bien à tous. Tu comprends? Oui, père. Fais pas gamin, tout sera bientôt fini. Vas-y, tu es ici, juste à temps. That's right, kid. Eh oui, viens me voir, je vais mettre un terme à tout ça, te libérer. I'll set you free. No, it won't. Non, il ne laissera pas partir le monstre. Don't worry about the monster, kid. Le monstre, gamin, je m'en occupe, je vais vous en débarrasser définitivement. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. Pas si tu tues le premier. Pas si tu tues le premier, pardon. Mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu venais chercher? Une conscience coupable? L'enfant vulnérable derrière le monstre? Il n'y a pas d'enfant, il n'y a que toi, que moi. Les coups fourrés ne marchent pas, mon ami. Non, il a tué le méchant. Non, pitié, ils sont dehors. Ah, ils sont tous morts. Daddy? Papa? Ariane? Lily? Lily, Marianne. Je me rappelle. It's him. C'est lui, ça a toujours été lui. It was always him. Thomas. Thomas n'est plus là. Tu arrives trop tard, petite. Toi, tu as essayé de me tuer, de nous tuer. What did you do to her? Qu'est-ce que tu as fait, Liliane? What did you do to Liliane? Moi, j'étais déjà mort. Ton père s'en est assuré. Vous savez pas? C'est la meilleure, la petite Marianne a oublié son propre papa. Daddy.
Alors, qui est-ce? Qui l'a tué? J'ai vu son fantôme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Aucune idée. L'infirmière artiste, le monstre sous le lit. Ou peut-être son propre papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il voulait nous sauver. L'a sauvé. Dans un sens, peut-être que c'est ce qu'il a fait. Bon Dieu, c'est de la folie pure. Oui, c'est l'essence même de ce lieu de folie, deuil ou souffrance. Tantôt, tu n'as qu'à te... qu'à sentir. Alors, il est temps de faire le ménage une bonne fois pour toutes. Non, qu'est-ce que tu fais? Thomas. Vous avez renvoyé le sauveur. Thomas Rykovich, mon père. My father. C'est l'homme sur le quai. L'homme au pistolet. Le meurtrier de mes rêves. Comment a-t-il pu? Pourquoi? Il fallait que je découvre ce qui s'est passé après l'incendie. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus eux? De moi? Dévoiler les secrets de Monsieur Thomas. Donc le tout se poursuivra demain sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!